Bonjour à tous, Sylvain Joannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Prochaine vérification, c'est des moteurs de lit électrique, ça. Il y a deux moteurs, ça a l'air là-dedans. C'est un client qui m'a apporté ça. Ça fait quand même un bon petit bout, là. J'ai eu ça le 14 janvier. C'est des moteurs de lit électrique. Ça, c'est une boîte de contrôle. Il m'a dit que les batteries étaient neuves dedans. Deux batteries 9 volts, en plus. Puis, si j'appuie sur la manette, on voit que tout allume. Mais les moteurs ne réagissent pas. Fait que qu'est-ce que je vais faire? On va aller ouvrir ça. Là, il est branché. Les moteurs sont branchés. On va aller ouvrir ça. On va aller voir ce qui se passe. Bon, je vais checker s'il y a du courant qui vient là. Parce qu'il a l'air d'avoir un transformateur. Il rentre 20 volts. Donc, le transformateur, d'après moi, il fonctionne. Il y a un bridge rectifier ici. Il sort 27 volts DC. Presque 28. Faut que je vérifie ça. Les condensateurs. Pour le reste, il n'y a pas de pseudo-fuse. Ça, ça me surprend par exemple. Diode ici. Débranché. Non, mais ça va pas bien. J'ai du courant qui rentre en masse. J'ai 12 volts ici. 26 volts. Je commence à penser que c'est un problème de IC. Puis ça, là, je peux pas faire grand-chose là, là. Moi, je veux juste savoir s'il reçoit un signal. Oui, il reçoit le signal. Que les moteurs marchent, hein? C'est vraiment un problème de puce. Non, d'habitude, je peux faire des petits miracles, mais là, celle-là, là, malheureusement, non. Je pense qu'on va oublier ça pour ça. Merci, bonne fin de journée.